Euh, on, va, on va revenir en fait sur les notions de pointeur euh, qu'on avait déjà, euh, qu déjà abordées lors de la journée 4 et euh, plus précisément en fait sur, euh, sur, les, sur les strings. Donc vous vous souvenez alors, Je n'oublie pas de repasser sur mon truc. Donc commençons directement à faire euh, quelques petites euh, opérations autour des, euh, des chaînes de caractères. Donc euh, je vais commencer par éditer un fichier. Alors, oui, j'ai réinstallé un environnement, en fait, pour aujourd'hui. J'ai oublié. Hop. Euh... Bon, en attendant, j'installe, j'ai oublié, j'ai refabriqué un environnement, en fait, pour, pour vous présenter un outil qu'on qu qu va, qu va voir là tout à l'heure. Donc, si je reviens un peu, en attendant que ça installe, je vais revenir un petit peu sur ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui. Donc, vous allez avoir différentes, différents exercices qui vont, euh, qui vont devoir se réaliser, vous voyez, sur la journée 6. Vous allez avoir différents exercices, en fait, qui vont se baser sur, euh, sur la maîtrise euh, de, de, des chaînes de caractères. Vous vous souvenez que les chaînes de caractères, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une zone en mémoire constituée de codes ASCII qui se trouvent les uns derrière les autres. Donc, ces codes ASCII vont représenter euh, les, les lettres euh, qui sont présentes dans cette chaîne de caractères. Et donc, une chaîne de caractères, c'est une suite de codes ASCII terminée par le code ASCII 0 qui permet de signifier la fin... Euh, de cette zone en mémoire qui est associée à la chaîne de caractères qu'on essaye de manipuler. Et vous allez avoir de, dans, dans, le, dans les exercices à faire aujourd'hui, vous allez avoir en fait différentes opérations à faire sur les chaînes de caractères. Typiquement, copier une chaîne de caractères source vers une chaîne de caractères destination, euh, copier n caractères d'une source vers la destination, renverser une chaîne de caractères, etc., etc. Donc vous allez avoir pas mal d'exercices. De, 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 je crois qu'il y en a 18, si je me souviens bien. Ah oui non, il y en a 21. Okay. Donc il y a 21, euh, 21 exercices dedans, donc il y a, il y a énormément d'exercices à faire euh, là-dessus. Et dans les exercices, on va vous demander aussi de mettre en place des tests unitaires. Donc aujourd'hui, comme je vais vous présenter un outil euh, à côté de ça, je vais garder la partie test unitaire que je vous présenterai un peu plus tard, euh, demain ou après-demain. Et aujourd'hui, je vous laisserai la découvrir euh, un petit peu seul euh, de votre côté. On aura l'occasion de, de revenir dessus ensemble euh, un peu plus tard. Donc. Je vois que mes outils ont fini de s'installer. Donc, démarrons assez rapidement. Donc là, je me trouve dans mon répertoire Day 6. Ok. Donc, commençons à manipuler un peu euh, les chaînes de caractères. Alors... STR01.c. Donc, vous vous souvenez... Ah oui, mais du coup j'ai pas mes headers max, c'est pas grave. Oh non. Exceptionnellement aujourd'hui, comme je vous montre un outil, j'ai oublié de remettre les headers Emacs, vous voyez, j'ai oublié d'installer les max, j'ai oublié de remettre les headers exceptionnellement. Je ne mettrai pas les, euh, les headers à la main, enfin les headers, mais vous vous souvenez, là il, faut, il fallait insérer des headers ici. Je ne le fais pas aujourd'hui, peu importe. Donc je commence par rentrer, par euh, créer ma fonction main. Okay. Ma fonction main par défaut, je lui dis qu'elle va renvoyer 0. Okay. Et je compile. Attendez deux petites secondes, je me suis embrouillé dans mes raccourcis de clavier. Hop! Voilà. Donc je sépare ma fenêtre avec Temux, j'avais aussi oublié d'envoyer une session Temux. Donc on compile SR01. Puis je lance à point haut, vous voyez, a priori, il ne se passe rien. Donc je vais commencer par déclarer une chaîne de caractères. Donc vous vous souvenez, une chaîne de caractères son type c'est char étoile. OK Donc Ma chaîne de caractère qui va être incarnée par ma variable str. str, c'est quoi C'est un pointeur qui pointe vers la première lettre de ma chaîne de caractère. Donc, les guillemets. Hello World. Je vais mettre un retour à la ligne dans cette chaîne de caractère. Et puis, je vais décider de l'afficher. Vous vous souvenez, vous aviez une fonction que vous deviez réaliser qui s'appelle myPutEster. Alors je vais la recréer avec vous. Donc elle va s'appuyer sur l'utilisation d'un myPuchar. MyPuchar, vous vous souvenez, c'est une fonction qui prend un caractère et qui décide de l'afficher. Comment elle décide de l'afficher Elle utilise la fonction write qui est déclarée dans UniSTD. Cette fonction write, elle décide d'afficher sur, sur le file descriptor 1, qui correspond à la sortie standard, la première lettre pointée par la zone de mémoire de C. Donc C elle a une adresse en mémoire. De cette adresse en mémoire, il y a un caractère. Le premier caractère, donc ce qui est contenu dans c, je décide de l'afficher dans la sortie standard. Et voilà. Donc là, j'ai mon myputchar qui est là. Et à partir de mon myputchar, je vais fabriquer un MyPutester. MyPutester. Donc, vous aviez vu. Je vais utiliser ça dans un premier temps. Myputchar, myputstr, pardon. Donc, je prends un str. Et ici. Je vais déclarer une variable i que j'initialise à 0. While i, while str, tant que le caractère sur lequel je suis n'est pas le caractère de terminaison de la chaîne, différent de 0. Alors, je fais un my put char str2i Vous voyez que mon indentation là est un peu bizarre, c'est comme j'ai pas installé euh, les, les, les outils pour Emacs euh, comme vous l'avez fait, comme les headers, etc. Mon indentation est pas forcément la même, mais bon, ça il n'y a pas de pas trop d'impact, c'est pas, pas trop. Hop. Et ici j'affiche ma chaîne. Donc là a priori ça devrait être bon. Je recompile. À point donc voilà j'ai bien affiché hello world dans la sortie euh, de ma console avec euh, avec euh, <coughs> avec ma fonction euh, MyPutester. donc maintenant la première euh, fonction que j'ai envie de réaliser c'est une fonction qui va prendre cette chaîne de caractères et qui va décider d'en changer le premier caractère ok donc ma, ma fonction je vais l'appeler change first letter. Donc ça, ça va prendre une chaîne de caractères. Okay. Et dans cette chaîne de caractères, le premier caractère, qui a l'index 0, je vais lui mettre la lettre Z majuscule. Okay. Alors, je me trompe dans mes raccourcis, j'ai utilisé pas mal VI pendant le week-end. Et donc du coup, j'arrive plus à m'en sortir. Ok. Donc, je change ma première, ma première lettre par la lettre Z. Donc, l'idée, c'est d'obtenir la, la phrase Hello World à la place de Hello World. Alors, j'appelle cette fonction. Change first letter. Je recompile. Et je lance. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui se passe Alors, attendez. C'est dans l'autre sens. D'abord je veux changer la chaîne et après je veux l'afficher. Donc je compile et je lance. Et vous voyez, j'obtiens un segmentation fault. Donc on s'était dit par rapport à ça, il y avait plusieurs euh, options qui venaient à nous, mais l'option qu'on s'était retenue c'était d'utiliser cette, euh, cette, cette option de, de GCC. Donc ça, ni size égale adresse. Bon, je peux pas l'utiliser aujourd'hui, c'est pas grave. Je vais utiliser une autre, un autre moyen de, de le trouver. Donc, <coughs> un des moyens que je vais utiliser pour trouver où se, où, où plante ma fonction, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle euh, GDB. GDB, c'est l'acronyme de GNU Debugger. L'idée, c'est un outil qui va me permettre d'exécuter mon programme pas à pas pour essayer de comprendre en fait euh, où plante mon programme et pourquoi est-ce que mon programme y plante. Donc, euh, Tiens, je regarde dans le chat. Je vais vous poser une petite question. On reviendra un peu plus tard. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire en fait pourquoi est-ce que euh, un bug s'appelle un bug en fait dans, dans la programmation euh, Le premier qui, qui trouve, ça peut être euh, intéressant de voir. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. En attendant, moi, je vais commencer à utiliser GDB. Donc GDB, les cafards. Allez, ah, mais pourquoi Une date euh, Oui, ça veut dire un cafard. Ouais, oh, bah le. Euh... FBI 8888 est le premier à avoir donné la, la bonne réponse. Effectivement, dans euh, l'un des tout premiers ordinateurs, en fait, qui, euh, qui a été, construit, euh, qui a été construit, faut se rappeler que ces ordinateurs-là, en fait, ils n'étaient pas constitués d'électronique. C'était plutôt de l'électromécanique. Donc, euh, avec un système de, d'électricité, d'une part, euh, qui actionnait des pistons, etc., pour faire des calculs, bah, grosso modo, on avait une énorme machinerie mécanique qui déroulait, en fait, des algorithmes, des calculs. Et à un moment donné, un jour, un calcul s'étant mal effectué, l'un des techniciens s'est mis à inspecter, en fait, la machine et il a découvert littéralement un insecte dans la machine qui bloquait un mécanisme qui empêchait le, la, la machine de fonctionner correctement et de, euh, de faire le, 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 le calcul qu'on souhaitait. Donc littéralement, il a trouvé un insecte dans la machine, c'était l'origine du problème. Donc il a trouvé un bug et depuis, en fait, dans, dans le folklore, en fait, c'est resté le, le, le nom qu'on attribue à à ah, ah, cela en fait. Donc, euh, bien joué FBI euh, 8088. 8888, pardon, excuse-moi. Donc, nous, on va utiliser GNU, GNU Debugger. Donc, l'idée d'un debugger, c'est bah, de virer les bugs, en tout cas, de les détecter pour pouvoir les enlever. Je vous rappelle, en fait, quand vous êtes confronté à un bug, la seule question importante, c'est pas pourquoi est-ce qu'il est là. Le bug est là parce que vous l'avez mis. Ou alors, vous avez utilisé une librairie qui était buggée. En tout cas, le bug est là parce que quelqu'un l'a mis. Soit vous, soit quelqu'un d'autre. En tout cas, il est là pour cette raison. Donc la question, c'est ben, pourquoi ça plante, pourquoi il y a un bug. Ça, ça ne sert strictement à rien de, se de voir les choses de cette façon-là. La seule et vraie, unique façon d'aller droit au but, c'est où se trouve ce bug pour pouvoir le déloger de l'endroit où il se trouve. Donc, on va utiliser gdb. Gdb, comment ça fonctionne C'est si on lui donne, vous voyez, au lieu de lancer ma commande a.out, et ben en fait, je la préfixe avec gdb. Le programme, alors avant de lancer le programme, il faut impérativement utiliser l'option -g pour euh, surcharger le binaire qu'on va exécuter d'informations qui va permettre à GDB d'afficher des informations claires. Donc, tout le temps, quand vous voulez débugger un programme, vous utilisez l'option -g. Et donc, au lieu de lancer point ./out, vous lancez GDB A.out. Euh, alors, attendez, je vais aller dans un nouvel écran. Create. Souvenez, je fais Ctrl B virgule, je renomme ma window, je vais l'appeler gdb, debugger. Et puis là maintenant, je lance. Hop, ici je vais ressortir de mon gdb. Donc gdb à point out. Donc je me retrouve dans cette fenêtre. Déjà première option de euh, première, euh, première manipulation à faire, c'est de taper layout next. Layout next, c'est quoi Ça va me permettre de voir au-dessus où est-ce que j'en suis dans l'exécution de mon programme. Et puis en fait, et enfin, je vais taper Start. Donc, ça va commencer, pas à pas, à exécuter le programme, euh, pas à pas en fait. Donc vous voyez, avec mes flèches au bas, je vais pouvoir remonter et descendre dans euh, ma fenêtre du haut. Donc ça me permet de parcourir mon code source. Donc avec, le, avec les, les flèches haut et bas. Et après, avec les opérations, vous voyez qu'en bas, l'interpréteur GDB me propose de saisir des options. Euh, des commandes. Donc une première commande, c'est la commande next, qui me permet d'exécuter la ligne courante. Donc là, j'étais sur la ligne 31, je viens de l'exécuter, et le programme, il est actuellement en pause sur la ligne 32. À partir de là, je peux afficher une commande qui s'appelle print, lui dire bah, qu'est-ce que c'est str. Donc je fais print str, il me dit que str. C'est un enfin une, euh, une variable qui a l'adresse euh, 402010. Donc voilà, en fait, à l'intérieur de str, il y a un chiffre en fait. C'est l'adresse une adresse et à cette adresse, ça pointe sur la chaîne de caractères hello world. Okay Donc si je fais un print 0x hop Pardon euh, print 0x, at tac, Bon, peu importe, on, on verra un peu plus tard euh, l'utilisation en détail. Donc là, si je fais un print SR, donc voilà, ça m'affiche euh, ce qu'il y a dedans. Quelque chose d'aussi intéressant que je peux utiliser, c'est l'opérateur x. Donc l'opérateur x, je vais lui demander d'afficher les 12 premiers euh, octets y a en mémoire euh, sous, euh, sous format décimal, donc 12db, donc les 12 premiers bytes. Ils sont affichés en mémoire à l'adresse str sous le format décimal quand je regarde ici j'ai 104 101 108 108 111 et si je regarde un petit peu ce que ce que ça veut dire et ben on va consulter le manaski euh, j'ai vraiment alors on va pas se laisser faire on va passer là <coughs> J'ai la moitié de mes vannes. J'ai réinstallé mon environnement pour vous présenter GDB et le, le truc de base, je les ai pas remis, donc euh, les man à ski, etc. Donc c'est pas grave, on va les consulter, on va pas se laisser faire. Donc vous voyez que dans le man à ski, donc, on s'était dit 101, 100 trucs. Euh, bah, voilà. 104 c'est le H. 101 c'est le E. 108 c'est le L. D'accord Donc c'est exactement ce qu'on voit là. En fait, à l'adresse 402010. On a le code ASCII du H, suivi du code ASCII du euh, du L, du L, etc. etc. Je vais essayer d'en afficher plus. Donc, X34DBSTR. Vous voyez, j'ai plein de codes ASCII. Enfin, j'ai plein de, 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 de codes ASCII. Et à un moment donné, j'ai le 10. Le 10, là, c'est pour le, euh, le backslash N suivi d'un 0 et suivi derrière en mémoire d'autres choses. Vous voyez, c'est la mémoire, elle est initialisée avec d'autres choses. En tout cas, ce qui nous intéresse, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 caractères et ma chaîne de caractères Hello, elle fait bien 13 caractères. 1, 2, 3, 4, 5 pour le Hello, 1 espace 6, Ro 5 pour le World, donc euh, ça fait euh, 11, 12 l'exclamation le, euh, et 13 le backslash. -en. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut visualiser ce qui se passe en mémoire avec, euh, avec euh, GDB. Donc là, pour l'instant, j'ai utilisé la commande print, j'ai utilisé la commande x, j'ai utilisé la commande next. La commande « next », elle m'a permis d'exécuter la ligne en, en question. Vous voyez que là, maintenant, je vais décider d'exécuter la ligne en question, mais pas de l'exécuter. Je veux rentrer dans cette fonction. Cette fonction, une, une, sur cette ligne, il y a l'appel d'une fonction. Je vais demander de rentrer à l'intérieur. Donc, au lieu d'utiliser « next »,« next », il va exécuter la ligne 32 et passer à la ligne 33. Je vais utiliser la commande « step », qui, elle, va rentrer dans cette fonction. Là. Donc, je suis rentré dans ma fonction « step ». Vous voyez que « str » vaut toujours… 4000 enfin donc qui est représenté par la chaîne de caractère. Et si je fais un next, donc au lieu de faire next, je fais n, c'est pareil. Là il me dit boum programme received segfault segmentation fault. Donc en fait, j'ai pas pu modifier euh, le caractère 0 de cette chaîne de caractère. Donc pourquoi On va relancer GDB. Yes. Donc quand on regarde un petit peu, donc je fais next, si je regarde ce que vaut STR, donc au lieu de faire print, je fais p, c'est un raccourci, STR, elle vaut euh, l'adresse 4210, et sinon, STR, je peux afficher l'adresse de STR. Vous voyez que j'ai une adresse qui est très grande. En fait... Toutes mes variables et toutes les choses que je vais euh, commencer à manipuler dans, dans mon code qui sont manipulées, elles sont dans une zone de mémoire euh, en lecture-écriture. Et cette zone de mémoire en lecture-écriture se trouve généralement à la fin de la zone de mémoire. Et ce qui se trouve au début de la zone de mémoire, vous voyez que le STR, son chiffre est beaucoup plus petit, sont en général des, des valeurs qui sont plutôt accessibles en lecture seule. En l'occurrence ici... Ça, ce sont des choses que je vous dis un peu comme ça à l'oral, mais que vous allez commencer à maîtriser et à voir vraiment de façon beaucoup plus concrète dans le cadre de votre, des projets de début de deuxième année. Donc là, moi, je vous dis juste que ça existe et que c'est comme ça que ça se passe. Mais si on regarde en fait ici, vous voyez que... Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans cette ligne Il se passe que dans mon programme, quelque part, il y a la chaîne de caractères Hello qui va être insérée quelque part en lecture seule dans mon code. Et... Je vais en récupérer l'adresse et je vais l'associer à STR. Et donc du coup, STR, ça pointe sur des cases en de mémoire que je vais pouvoir lire, mais que je ne vais pas pouvoir écrire. Donc en fait, si j'ai envie de me retrouver avec une chaîne de caractères qui soit malléable, il va falloir plutôt que j'utilise cette déclaration-là. Vous vous souvenez, cette déclaration, c'est je vais déclarer un tableau qui va être grand comme la chaîne de caractères que je lui donne ici. Et qui va créer une zone en mémoire et il va me mettre euh, le, tout le contenu de cette chaîne de caractère dans cette zone de mémoire. Donc je vais recompiler. Hop. Je relance mon GCC. Je relance mon A.out. Et là, j'obtiens bien ma chaîne de caractère Hello World. Si je regarde en mode debug, donc je vais quitter. Yes. Je vais relancer. Vous vous souvenez, Layout Next. Ok, start, j'exécute n. Vous Voyez là si je regarde, si je print ester, bah là c'est la chaîne de caractères, euh, c'est la chaîne de caractères. Là du coup Esther, ça vaut directement la chaîne de caractères, ça vaut pas, ça vaut pas une une adresse en mémoire, euh, je sais pas quoi qui pointe sur quelque chose qui est pas accessible. Donc ça pointe directement sur quelque chose qui est accessible en lecture écriture. Donc je reviens ici, je rentre dans ma fonction avec un s, j'exécute cette ligne. Et ici, si j'impriche si le contenu de str, bah, vous voyez que mon premier caractère il a été modifié. J'appuie sur next, je sors de la fonction, je vais rentrer dans ma input str. Okay. i vaut 0, etc. Et puis vous voyez que, là comme la dernière commande c'est un n que j'ai tapé, maintenant que j'appuie sur entrée, ça me fait directement euh, l'exécution pas à pas de, de ça. Quoi. Donc là si j'imprime i, i pour l'instant il vaut 7. Next. Si je réimprime i, i vaut 11. Donc on va bientôt sortir. Voilà. Ah, vous voyez là, euh, mon affichage, là, il est un peu. Euh, il, parfois, vous pouvez vous retrouver dans des situations où ça redevient un peu euh, cradingue, là, comme ça. Vous tapez refresh. Et ça recline bien la fenêtre. OK. Donc là, si je regarde où est-ce que j'en suis, p de i, c'est euh, 13. Lorsque je print i. Si je fais print de str de i, vous voyez que c'est le backslash 0, donc en fait là ma condition elle est plus, elle est plus vraie, donc str de i, si je, si je fais print str de i différent de 0, et eh bien là il va me dire que c'est faux, str de i il vaut 0, donc ma condition while elle est, elle est plus acceptée, donc je sors de ma fonction, je sors dans mon return, je sors de mon main. Et ça y est, le, le, le programme s'est terminé. Et euh, là, on n'a pas vu, en fait, dans la console, ce qui, ce qui s'affichait. En bas, là, on n'a pas vu le résultat du, euh, du print s'afficher. Mais bon, nous, ce qui nous intéressait, c'était de, de débugger, pardon le programme pas à pas. Euh, alors, donc voilà un peu ce, quelques petites manipulations autour de, de, de GDB. Il y a des choses un peu, un peu plus intéressantes dans GDB. Par exemple, si je lui fais un start, ici. Et je vais lui dire, alors attendez, euh, next, step, je rentre là-dedans. Oui, non, c'était pas ça. Je veux re-rentrer dans putester. Donc, je peux décider de mettre un point d'arrêt. Attendez, je vais recommencer. Moi, ce que je voudrais, donc là, le programme il a démarré et il est en pause sur le main. Moi, ce que je voudrais, c'est euh, que mon programme il s'arrête ligne 16, d'accord Donc pour ça, je vais insérer ce qu'on appelle un breakpoint. Donc, je vais lui demander au programme de s'arrêter lorsqu'il va exécuter la ligne 16. Donc, mon fichier, moi, bon, il s'appelle str 1c ligne 16 Je veux que tu te stoppes ligne 16. D'accord Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais taper la commande continue. Donc, le programme, il va s'exécuter. Hop Vous voyez, il s'est exécuté jusqu'à arriver sur ma zone de breakpoint. Et maintenant, je peux continuer à débugger mon programme. Hop Mince, je me suis trompé, j'ai tapé, tapé C pour continue. Je redémarre, désolé. Donc, je suis sur ma ligne 16 et je vais pouvoir continuer à débugger mon programme tranquillement. Donc, je peux mettre un breakpoint, je peux demander au programme de se stopper sur une ligne en particulier. Je peux aussi lui demander à mon programme, donc là je vais appuyer sur C pour continue, et donc ça va dérouler le programme jusqu'à tomber sur un prochain breakpoint. Je n'ai pas de prochain breakpoint, donc le programme va se terminer. Je peux aussi demander au programme de se stopper sur l'appel d'une fonction. Donc, si je fais un break sur myput char, et eh bien continue. Je vais faire un refresh. Donc, vous voyez que là, mon programme, donc je le redémarré. Mon programme il est ligne 31. Vous vous souvenez, j'ai inséré un breakpoint ligne 16. Et puis j'ai aussi un breakpoint sur la ligne 9 parce que je lui demandais au programme de s'arrêter dès que euh, je fais appel à MyPuchar. Donc à chaque fois que je vais appeler, que je vais faire continue, ça va dérouler le programme jusqu'à jusqu tomber sur un breakpoint. Donc là, il s'arrête sur la ligne 16. Et puis après, il va systématiquement s'arrêter sur la ligne 9. Ok autre chose qu'on peut faire avec GDB qui est assez intéressant. Hop, donc je refais mon start, je refais un layout, next. Euh, je fais un next. Je fais un next, je fais un step. Donc là je suis link 16. Et je vais lui dire, bah écoute, GCC, j'aimerais bien que tu t'arrêtes à chaque fois que la variable i change. Donc je vais mettre un breakpoint sur i. Donc le programme va s'arrêter systématiquement dès que i va changer de valeur. Donc pour pouvoir faire ça, je vais faire un watch. Donc là, j'ai un hardware watchpoint. Il va se passer quoi C'est qu'à chaque fois que je vais appuyer sur c, que je vais faire continue, le programme va se dérouler jusqu'à ce que la variable i change. Donc là, je fais continue. Et vous voyez, en fait, la variable i ici, elle a, elle a changé. Là, la variable i, pardon, elle a changé ici. Donc le, le programme, il s'est arrêté juste après que la variable i ait changé. Donc le pro, la ligne elle va s'exécuter après, ça va être MyPuchar, et puis après i est égal à i plus 1. Donc une fois que cette ligne va être exécutée, le programme va se réarrêter encore une fois. Okay Vous voyez, je suis revenu ligne 17, et là on me dit bah i ça valait 0, maintenant ça vaut 1. Etc. etc. Là je fais que DC. Vous voyez que le programme il s'arrête systématiquement à la ligne 17, parce que la ligne 17, c'est l'instruction qui a suivi mon dernier changement de i qui se déroulait ligne 21. Donc voilà un peu des, des choses que vous pouvez mettre euh, en point d'arrêt. Un dernier truc que je vais vous montrer en point d'arrêt et après je vais vous laisser utiliser GDB un peu de votre côté. Donc pareil, je relance, start, je fais layout next. Ok. Et je voudrais arrêter le programme. Je voudrais arrêter le programme à la ligne 19, mais lorsque I sera supérieur à 10. Donc je vais insérer un breakpoint. Dans le fichier str01.c, ligne 19, if i supérieur à 10. Donc en i vaudra 11. Ok Et maintenant j'appuie sur continue. Boum Vous voyez que ça m'a affiché les 11 premières lettres de Hello euh, World. Et maintenant, si je print i, il vaut bien 11. Donc j'ai exécuté tout le programme jusqu'à la ligne 19 et je me suis arrêté à la ligne 19 à partir du moment où i est strictement supérieur à 10. Donc le fait de mettre des breakpoints ça peut être aussi intéressant. Par exemple vous savez que votre programme il plante, vous êtes en train de lire euh, votre chaîne de caractères et à un moment donné lorsque vous êtes au euh, 49e caractère vous savez qu'il y a un bug à peu près par là. Plutôt que d'appuyer euh, sur Next en boucle 49 fois dans votre boucle jusqu'à tomber sur ce moment-là, vous pouvez mettre directement « Arrête-toi cette ligne-là quand il vaudra 49, 39, 18, ce que vous voulez. » Bref, pour pouvoir manipuler, mettre un peu de, de contexte en fait dans votre breakpoint. Donc là, je vais vous montrer euh, un outil qui vous permet justement d'avancer pas à pas dans votre, code, dans votre code, de comprendre un peu ce qui se passe. Là, vous voyez, c'est redevenu crade, je fais un refresh. De comprendre un petit peu ce qui se passe. Et de pouvoir exécuter pas à pas en fait et voir un peu euh, la valeur des, des variables en les affichant avec des prints ou avec des XX. C'est vraiment très intéressant d'afficher les N premiers euh, octets de, de la zone de mémoire pour essayer de comprendre où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu qui se passe, qu'est-ce qui est écrit en mémoire à cet endroit-là. Donc voilà pour GDB. C'est un outil dans lequel euh, vous allez avoir beaucoup d'informations, mais dans lequel vous allez aussi perdre énormément de temps à faire du pas à pas. Mais euh, voilà, il faut savoir l'utiliser euh, quand c'est le bon moment et pas tout le temps le sortir à toutes les sauces. Un moyen pratique aussi de débugger des programmes, c'est d'écrire des tests unitaires. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo qu'on aura à faire ensemble. Donc, là, j'ai d'abord euh, fait une fonction qui change ma première lettre. Une autre fonction que je pourrais avoir envie de faire, c'est une fonction qui s'appelle copy char from. Str. Donc ça prend quoi Ça prend une chaîne de caractères source, un index i et une chaîne de caractères destination. Et l'idée c'est quoi, lorsque je vais l'appeler, c'est je vais euh, copier char from Esther. Donc, de la chaîne de caractères, euh, bonjour. Je vais recopier le, euh, le, le, troisième, le, 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 le troisième caractère. Donc, euh, le N, par exemple, le troisième caractère, là, le N. Je vais le recopier à la troisième place. Pareil dans le DST, quoi. Dans Esther. Comment est-ce que je vais m'y prendre et eh bien en fait, DST, DST, ça va être... Donc c'est le troisième. Donc pour avoir le troisième, vous vous souvenez, le troisième caractère d'un tableau, c'est son indice n-1. Hop, je compile. Alors, vous voyez, là, il me dit qu'il y a une erreur. Effectivement, je l'avais appelé SRC, pas SR, pardon. Hop. Hop. Donc, vous voyez, à la place du, euh, du L de hello, j'ai recopié le N de bonjour. Donc, voilà un peu des manipulations que vous pourriez avoir à faire. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir, en fait... Toutes sortes d'opérations de ce, de ce style-là à faire. Vous allez travailler sur des chaînes de caractères et l'idée, c'est que vous allez copier des informations d'une chaîne de caractères à une autre, renverser la chaîne de caractères. Enfin, en tout cas, faire des manipulations là-dessus. Donc, il va falloir que vous appreniez à utiliser des tableaux en utilisant des index, à avoir des chaînes de caractères qui soient accessibles en lecture et en écriture en les déclarant directement sous format tableau avec cette syntaxe-là qu'on a ligne. Alors attendez qu'on a ligne euh, ligne je sais pas quoi mais en tout cas sur cette ligne là ligne 36 voilà vous allez avoir différentes euh, différents programmes comme ça à faire et puis surtout la lecture de manuel pour savoir à quoi correspond bien chacune des euh, des, des fonctionnalités qu'on vous demande de faire, les str copies, les, euh, les, euh, les rêves str etc. Et enfin dernièrement, euh, vous allez devoir vous aujourd'hui commencer à aborder l'écriture de tests unitaires, ça on reviendra dessus un peu plus tard dans la semaine. Et puis je vous ai présenté aussi un outil GDB qui vous permet d'exécuter votre code pas à pas pour essayer de comprendre vraiment au cœur du programme comment ça se passe, comment ça se déroule, que valent les valeurs des variables, etc. etc. Donc pas mal d'informations, pas mal d'outils, voilà un premier outil à, à manipuler, et puis on en verra d'autres cette semaine pour, pour élaborer vos programmes. Donc euh, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et puis au passage un petit clin d'œil aux étudiants de Bruxelles qui, me semble-t-il, ont rejoint le stream. Donc euh, voilà, un petit clin d'œil à eux sur le, le campus de, de Bruxelles. Voilà, je vous remercie, bonne journée à vous.